C'est une question d'attitude. Si vous croyez en votre affaire, vous finirez par convaincre le juge d'y croire aussi. Ne vous laissez pas intimider par le fait que vous n'êtes pas avocat, parce que... L'autre type n'est pas un avocat non plus. Exactement. Neil, venez donc leur parler de votre cas. J'ai eu un problème avec mon propriétaire. Il dit que je ne l'ai pas prévenu 30 jours avant que j'allais déménager. J'ai répondu que je l'avais fait. Il ne voulait pas me rendre mon mois de garantie. Et vous savez quoi? Je l'ai eu. La prochaine fois, Neil vous dira comment il l'a eu. J'ai eu votre message. Oui, merci bien d'être passé. J'ai un petit projet pour vous, mais il va falloir que ça attende. Ah, j'ai des cours toute la journée. Oui, désolé, mais il faut que je file. Vous voulez bien me rendre un petit service? Effacez-moi ce tableau, s'il vous plaît. On m'a prévenu que le prof du cours suivant était un maniaque de la propreté. Après vous. Oh, t'as les mains glacées. Et je parie que ton cœur l'est aussi. Non, t'es folle. Faut que t'apprennes à me connaître. Pourquoi pas cet après-midi, tu finis à quelle heure? C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec maman. On va faire des photos. Quoi? Elle est mannequin? Non, elle est juge. Ses collègues lui organisent une grande fête. Ils veulent une photo pour leur bouquin. Et comme il paraît que je suis presque photographe... Je sais, je voudrais bien que tu fasses une séance avec moi. Il faut que j'y aille. Puisqu'il faut. On se voit tout à l'heure? D'accord, merci. À plus. À plus. Tu as raison, ma belle. Oublie-le. Il n'est pas pour toi. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais ce sont mes enfants. Et je vous promets de ne plus jamais rien faire qui puisse leur nuire. C'est bien, Madame Lewis. Parce que je déteste voir les enfants séparés de leur mère, je suis prête à vous faire confiance cette fois encore. Je vais en être digne, je vous le promets, sur ma vie. C'est leur vie qui m'inquiète, essentiellement. Alors ne me décevez pas. Je vais donc rejeter la demande de placement dans une famille adoptive. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que Janelle leur a déjà prouvé qu'elle ne jouait pas son rôle de mère. Je connais votre position sur ce cas. C'est aussi la position des services sociaux. Je sais, je n'ai pas pris votre réflexion à la légère, mais je pense que Madame Lewis mérite une autre chance. Dans 2 mois, je veux revoir toutes les parties intéressées ici. Madame Lewis? Oui, madame. Dans 2 mois, je veux une preuve concrète que vous avez trouvé un travail honnête et que vous suivez des cours sur la façon d'élever les enfants. Est-ce que je pourrais... Vous avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire. Nous sommes d'accord? Oui, merci. Janelle, vos enfants ont besoin de vous. Ne les trahissez plus jamais. L'audience est levée. Pouvez-vous lever? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais-moi un beau sourire. Et maintenant, prends un air plus sérieux. Vous êtes là. Oh, Paula! Ah, tante Paula, rapproche-toi. Superbe symétrie. Le professeur et son élève surdoué. Je suis venue te dire qu'il te remettrait ta récompense au cours du dîner. Qui? Serrez-vous la main. Moi. Oh, parfait. Ça va, tu peux descendre. Je peux descendre. Je veux que tu me racontes tout. Tu sais, Paula, il est difficile de se mentir entre amis, mais j'attends que mes amis me mentent. Si tu prenais une photo de Betty et moi. Ah, d'accord. Oh non. Merci, Paula. Non, 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 si je me suis lancée dans la photographie, c'est parce que je ne voulais pas être de l'autre côté de l'objectif. Oh si, qu'est-ce que je dois faire? Appuie sur ce bouton. Oui. Superbe. Souriez. Ah. Parfait. Ça y est, tu l'as, ta photo. Merci. Chérie, tu viens dîner avec Paula et moi ce soir? Ah non, je peux pas. Il faut que je sois à l'éclectique café à 5h30. Oh, le café à la mode? J'ai rendez-vous avec le patron. Il veut voir mon Facebook. Il expose des œuvres d'étudiants de temps en temps, alors... Oh. Croisez les doigts. On croisera, on croisera. Bonne chance. Allez, viens avec moi, Paula.
Bonjour, Jerry est là? Oui, il est allé chercher le courrier. Bonjour. Bonjour, Jerry. Beth Knowlton. Désolé d'avoir été un peu long, c'est la faute. Non, c'est pas grave, je vous en prie. Bon, voyons ce que vous avez apporté. D'accord. J'espère que vous aimez le noir et blanc. Je vais me préparer un milkshake chocolat. Jerry, comment ça va? Ah, salut Steve. Wow. Et c'est bon ça. J'aime bien la lumière. Combien vous l'avez payé pour dire ça? Non, je suis vraiment très impressionné. Et comment vous appelez-vous? Beth. Beth, on s'est encore jamais vu? Non. Stephen Primes. Beth Knowlton. Enchantée, Beth. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis... que vous avez du talent. Attendez, je vais aller voir s'il me reste une place pour l'accrocher. J'arrive pas à y croire. Mais il faut y croire. Vous êtes hyper doué. Merci. Faites-en deux. Un pour la... pour l'artiste de génie qui meurt de faim. Dites très franchement, j'aurais bien besoin de photos pour le boulot. Quelque chose de très classique, mais en même temps, je voudrais éviter, bah oui, le côté photo du studio, puis le côté costume trois pièces. Oui, je vois. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez que je les fasse? Oui. Mais c'est sérieux? Absolument. Pour cette séance de photos, on peut se voir ici, samedi, vers 1h. Hein? On peut même peut-être déjeuner. Prenez toute votre après-midi. D'accord. Oui. Ça marche. Santé. Santé. Ça va, la lumière? Oui, la lumière est parfaite. Bon, tout à l'heure, on en prendra quelques-unes sans la veste. Bien. Comment ça marche? Ça va, j'ai presque terminé. Génial. On se fait un ciné? Oui, d'accord. Bonjour, Stephen Primes. C'est Kyle Kennedy. J'ai suivi vos cours il y a 2 ans, monsieur. Oh, quelle chance pour vous. On y va, Bess? Oui, j'arrive. Je te téléphone tout à l'heure. Un de ces jours. C'est étonnant. Vous avez un œil fabuleux. Oui, c'est exactement ce que je voulais, Bess. Vous êtes sûr? Parce que si ça n'est pas le cas... J'espère que vous n'en avez pas déjà. Non, non, c'est quoi? Votre cachet, Bess. Vous la poserez sur vos photos. Comme ça, c'est vous qui deviendrez célèbre quand on les publiera. C'est gentil d'avoir confiance en moi. Non, c'est plus que de la confiance. C'est une certitude. Je peux vous demander quelque chose? Qui vous a donné ça? C'était à mon père. Il est mort il y a 2 ans. Ah, pardon. J'avais pensé que c'était ce... Comment, Kevin? Kyle. Kyle. Alors, vous n'en êtes pas encore arrivé au stade des bijoux, c'est bien ça, hein? Très à l'aise, nous allons reprendre. Il faut que j'y aille. Vous ne regardez pas votre chèque? Oh, c'est beaucoup trop, voyons. Moi, je pense que c'est pas encore assez. Bon, eh bien, merci. Au revoir.
J'ai décroché mon premier boulot comme photographe. Et tu as été payée? Ouais. Mais c'est fantastique. Vas-y, raconte, dépêche-toi. Voilà, j'ai fait la connaissance de ce type à l'Eclectic Café. Il a vu mes photos, il a adoré. Il a voulu que je fasse des photos pour un journal d'avocats. Un avocat? Et je ne le connais pas? Non, non, Stephen Primes. C'est pas un avocat, il enseigne le droit à l'école. C'est formidable, chérie. Donc tu es devenue photographe professionnelle, c'est ça? J'aimerais bien. Mais ne sois pas modeste. C'est bien, c'est même très bien. Oui, je sais, mais... Mais quoi? Je trouve qu'il m'a trop payée. Ah, je sais que je devrais pas me plaindre, seulement... Il a peut-être reconnu ton talent. Oui, j'espère. Évitez de mettre votre doigt devant l'objectif. Ça ira mieux. Voilà. C'est du bon matériel. Excusez-moi, je voudrais voir Bess Knowlton. Elle est partie à 2 heures aujourd'hui. Elle ne travaille pas de midi à 6 heures? Suivant les jours, ça peut changer, monsieur. J'avais encore une question. Je vous écoute. Et ça, ça sert à quoi? Ce câlin de la part de Stephen. À Molly, de la part de Bess. Tombez bien, je vous attendais. Bonjour, monsieur Price. Steve, j'ai une petite surprise. C'est une autre peluche? Il était mignon, hein? Je me suis dit que ça vous plairait. Une photo originale de Martin Neumeier. C'est superbe. Oh non, je peux pas accepter ça. Mais bien sûr que si, je vais même vous la faire encadrer. Non, vraiment. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est juste une petite babiole pour notre anniversaire. Notre anniversaire? 2 semaines qu'on se voit. Je pense qu'on pourrait aller dîner ce soir pour fêter ça. Oh, je regrette, j'ai du travail. J'ai des examens. Pardon? Vous parlez de la littérature et de l'art mexicain moderne? Avec vos connaissances, vous réussirez haut la main. Quoi? Vous avez enquêté sur moi? Il y a des filles qui trouveraient ça flatteur. Excusez-moi, j'ai du travail. Franchement, est-ce que j'ai l'air de ne pas assez manger? Oh, arrête, j'ai vu ce que tu appelles un repas. Maman, j'habite tout près du centre commercial. Oui, avec les boutiques qui servent du surgelé et du thé en sachet. Non, ça suffit, je t'assure que je vais très bien. Tu dis toujours ça. Oui, mais toi, tu refuses toujours de le croire. Maman, je t'assure que je n'ai absolument pas besoin que tu régentes les moindres détails de ma vie. Je ne suis pas un de tes cas juridiques. Non, tu n'es pas un de mes cas juridiques, mais tu es ma fille. Et nous sommes toutes les deux seules maintenant. Tu sais que papa me laissait beaucoup plus libre. Nous savons toutes les deux que papa était un tendre. Il me manque. À moi aussi. Tu sais ce qui me manque peut-être le plus? Tes blagues idiotes? Non, non, ça me manque pas. Non, je pensais aux longues balades à Sedona. Et dans le Grand Canyon. Tiens. Oh, ne me lance pas ce regard. Merci pour les serviettes qui feraient le bonheur d'une famille de 6 enfants. Je suis tombée sur des soldes intéressants. Je me sauve avant que tu essayes de mettre ton canapé dans le coffre de ma voiture. Merci. Merci beaucoup.
Autrement dit, tu veux repartir sans me parler du garçon avec lequel tu sors? Ah, oh, j'avais presque réussi à l'éviter. Presque seulement. Bess, je voudrais pas t'embêter, mais je suis curieuse. D'accord, d'accord. Je vais tout te raconter. Tu veux prendre des notes? N'essaie pas de faire la maligne. Bon, il y a un garçon qui me plaît assez. Il est très beau, je vais bien, et je contrôle parfaitement la situation. Moi, je pensais que tu pourrais peut-être l'amener à la maison, enfin, quand tu seras prête, pour discuter. Justement, je le retrouve à l'éclectique café tout à l'heure. Tu peux peut-être l'amener prendre un café ici? Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Salut, Jerry. C'est un petit... Alors, quoi de neuf? Une surprise. Comment ça va, Kevin? Kyle. Oh, Kyle, j'arrête pas de me tromper. C'est un superbe endroit, le week-end. Mais il faut connaître que la clientèle est très différente. Oui, très différente, c'est ça. On pourrait peut-être manger. Enfin, un truc bien. Oh! Oui? On pourrait avoir des pâtes, s'il te plaît. Peut-être plusieurs plats différents comme hors d'œuvre. Un apéritif? Non, merci. Alors, je vais prendre du vin, direct. J'ai deux petites choses, quelque chose que vous devez apprendre. Vous êtes avec une femme remarquable, il faut la traiter royalement. Ce soir. Appelez-moi. Vous connaissez le numéro? 555-0107. Allez, allez! Oui. Ah, c'est bien. Alors, c'est ce que vous avez de mieux? Mm-hmm. Et pourquoi pas un téléobjectif? Ce serait mieux, non? Oh, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il vous soit très utile. À moins, bien sûr, que vous ne soyez du genre à faire des photos d'animaux. Bien. On devrait essayer un week-end. On prendrait nos appareils, on irait dans la montagne. Ah, oh, ça, c'est géant. Hey. Je l'achète. J'ai besoin d'autre chose? Oh non, vous êtes mieux équipé que pour partir en reportage. Vous toucherez une commission intéressante? C'est un cadeau. Oh, merci. Eh, hey Bess, donne-lui une sacoche. C'est aussi un cadeau. Merci. Vous connaissez ça? Vous pouvez pas savoir ce qu'on peut servir de genre de truc. C'est pas juste pour les mariages ou les vacances. Regardez, vous êtes à l'écran. C'est super, hein? Faites-moi un beau sourire. Là, génial. Les assurances, les dossiers, il y a toutes les possibilités. Et vous savez ce qu'on dit? Une image remplace un document de 1000 mots. Bess, venez ici. Filmez-moi ça. Ta-da-ta-da. Et les mariés vont franchir le seuil. Et qu'est-ce que vous faites? Ta-da, ta-da. Non, ta-da, posez-moi. Posez-moi ta-da, tout de suite. Ta-da.
Ouais, elle va s'en remettre. Non, je peux vous l'assurer, c'est le meilleur référé depuis des années. C'est monstrueux que cette gamine se soit brûlée avec cette eau bouillante. Steven, je connais cette chaîne d'hôtels. Ils sont des avocats de grande valeur. Alors, vous les forcez à un règlement rapide. Si on met une fillette de 13 ans devant des jurés, on gagne sans problème. Très bien. Faites une proposition. Vous voulez m'attendre une seconde, Ron? Excusez-moi. Oh, Madame Knowlton. Oui? J'espérais bien vous rencontrer. Nous nous connaissons. Bien, je suis l'ami de Bess, Steven Primes. Elle vous a dit? Oui, pour nous deux, j'espère. Oui, je crois qu'elle en a parlé. Nous passons pas mal de temps ensemble tous les deux et j'avais espéré que je vous rencontrerais. Je voulais vous dire que votre fille est tout à fait fantastique. Merci. Mais cela dit, vous le savez. Tiens, j'ai été ravie de vous connaître. Steven, c'est ça? Oui, Steven. Avec PH. Ah. C'est le juge Knowlton. Je vais épouser sa fille. Ce sera bon pour les affaires. Ah. À tout hasard. Merci. Tu as un vase? Quoi, tu ne m'apportes pas à manger? Ah bon? J'aurais dû, en effet. Mais... Enfin, j'y pense. J'ai tombé sur un de tes amis au palais de justice. Un de mes amis? Oui, il a dit qu'il sortait avec toi. Ah, Kyle. Ah non, non. Steven, quelque chose. Oh. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Steven Primes. C'est bizarre. Il est étrange. C'est le type pour lequel j'ai fait des photos. Il est toujours partout. Il fait comme s'il était mon petit ami. Il me fait des cadeaux. Il ne me laisse pas respirer. Et puis, surtout, il est trop âgé. J'ai remarqué. Donc, c'est pas avec lui que tu sors? Non. Non. C'est avec Kyle que je sors en ce moment. Si ce Steven ne vient pas tout démolir. C'est vrai, il débarque brusquement. Il me tend des pièges. Il est collant. Je ne sais pas quoi faire. Il vaudrait peut-être mieux lui faire un dessin. Écoute, il faut que tu l'envoies paître. Établis des limites dans ta vie, il faut que tu grandisses un peu. Et ça, je ne peux pas le faire pour toi. Et moi, je ne te demande rien. Tu n'as rien à faire pour moi, maman. Puis, il est plutôt gentil avec moi, je ne veux pas lui faire de peine. Un petit rejet ne va pas démolir son ego, rassure-toi. Pas une demi-seconde, pas celui de Steven avec PH. Primes. Oh, il a dit ça, Steven, avec PH. Mm. Oh. Allez. Et les jeunes mariés franchissent le seuil. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, posez-moi. Bess, où est-ce que vous êtes? J'appelais juste pour vous souhaiter une bonne nuit. J'ai tellement de choses à vous dire, appelez-moi, d'accord? Je pense à vous.
possible que je me fasse des idées. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on est bien tous les deux blancs, il débarque. Je sais. Alors, ou c'est un médium qui est super fort, ou quelqu'un lui dit toujours où on va. Ben, je vais faire quelque chose pour arrêter ça. Oui, mais quand? Bientôt. Écoute, si je gêne, il faut me le dire. Non, ça n'est pas le cas. C'est simplement qu'il paraît avoir toujours 2 métros d'avance, c'est tout. Ben alors débarrasse-t'en. Fais-le vite si tu en as envie. S'il te plaît, Kai, n'insiste pas. Tu sais très bien que j'en ai assez de ce type. C'est tout. C'est tout ce que tu as à me dire. Et dis-moi ce que je peux bien te dire. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire. Non, c'est pas grave, je passe l'éponge pour cette fois. On pourrait peut-être déjeuner. Étant donné votre tenue, je propose des fruits de mer. Non, Bess, c'était une blague. En général, j'en fais de meilleurs. Non, merci, il faut que je me sauve. Je suis déjà en retard. Ben, le jeudi, vous travaillez pas. Oui, eh bien... J'ai des projets, d'accord? Oh non, c'est pas vrai, je trouve pas mes clés. Quoi? J'ai dit que je ne trouve pas mes clés. Alors, récapitulons, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Petit déj au lit, déjeuner dans le patio, la piscine? Quoi d'autre? J'en sais rien, pourquoi est-ce que vous me le demandez? Non, je veux juste vous donner un coup de main. Si vous voulez, je peux appeler un serrurier ou bien je vous ramène chez vous, comme vous voudrez. Non, ça va, c'est pas la peine, je me débrouillerai. Il faut justement que ça m'arrive aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Une petite seconde. Coucou. Vous les avez laissés tomber. Oh, excusez-moi. Merci beaucoup. Ça va mieux? Oui. Merci. Merci. Au revoir. C'est ma façon de présenter mes excuses. Ah, le calumet de la paix version pizza. Est-ce que tu peux me le répéter, mais très très vite? Calumet de la paix version pizza, calumet de la paix version pizza, calumet de la paix version pizza.
Biologie marine. Tiens, je pensais plutôt au droit. Bonne idée. Pas le truc courant, peut-être l'environnement. Ou les lois indiennes. Tu devrais en parler à maman, elle a travaillé sur le problème des réserves. C'est comme ça qu'elle en est arrivée aux cas sociaux. Elle a l'air sympa. Et elle est sympa. Est-ce que tu crois qu'elle pourrait me faire sauter mes contredanses? Non, c'est une blague. C'était juste une blague. J'ai jamais de contravention. Je respecte la loi. Comme un boy scout. J'en suis sûre. Ta mère est aussi superbe que toi. Oui, elle est superbe, mais moi, je ressemble à mon père. Dis, est-ce que je peux venir? Pourquoi pas? C'est exactement comme je me rappelais. T'as raison, ça n'a pas vraiment changé depuis la semaine dernière. Ah, j'ai une de ces soifs. Tu sais où est le frigidaire? Il n'y a que du soda, il n'y a pas de bière. L'alcool est prohibé dans cette maison. C'est comme chez toi. Cher Bess, nous partageons ceci pour notre anniversaire samedi soir. Baiser S. Je ne vois vraiment pas d'où ça vient, je ne comprends pas. Eh bien, désolé de gâcher ta petite soirée. Je suppose que c'est le vieux débile. Les vieux, ils attaquent toujours au champagne et pas à la canette de bière, hein, comme nous, les jeunots. À croire que tu ne l'as pas assez expliqué, on dirait. Non, Kyle, je t'en prie, tu es ridicule. Désolé, je suis peut-être trop puéril. Ou bien trop jeune et trop stupide, c'est ça? Non, je te jure que je ne sais pas comment c'est arrivé ici. Peut-être qu'il l'a donné à ma voisine, elle a une clé. Il n'y a pas d'anniversaire. On n'est jamais sortis, il n'y a rien entre nous. Eh bien, tu m'excuseras, mais c'est un peu trop bizarre pour moi. Je ne sais pas quoi dire. Oh, mais il n'y a rien à dire, c'est très clair. Kyle, écoute-moi. Kyle, c'est un cinglé, c'est évident. Tu sais, je me demande si cette attirance n'a pas un rapport avec l'absence de ton père. Quoi? Je le comprendrai parfaitement, parce que sinon... ça me dépasse. Attends, tu me punis pour quelque chose que je n'ai pas fait. Il ne s'est jamais rien passé, je te le jure. Je n'aime pas tenir la chandelle. Quand tu ne le verras plus, tu m'appelleras. Mesdames. Merci. Santé. Je suis contente que tu sois là. Ça me fait plaisir, Martha. Le jardin est magnifique. Oh, merci. Endroit idéal pour un mariage. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Voyons, Martha ne va pas se remarier. Non, non, pas Martha. Bess. Quoi? Je ne vais pas me marier. Ah non, le bruit court au palais. Vous savez qu'on ne peut pas garder un secret chez nous. Mais quel genre de secret? Bess est fiancée. Un conseiller juridique appelé Stephen Price. Excusez-moi. Est-ce que j'aurais dit une bêtise? Martha, comment va-t-elle? Oh, elle est très perturbée. Et je ne m'étais pas rendu compte de la gravité des relations qui se sont établies avec ce type, ce Stephen Prime. Je l'ai vu plusieurs fois. Il est spécialisé dans les accidents, paraît-il. Mais il est partout.
Il s'est immiscé dans sa vie, il s'est même arrangé pour saboter une gentille petite amourette avec le jeune Kyle. En fait, il n'a rien commis d'illégal pour l'instant, c'est vrai, mais son comportement est devenu... Très préoccupant. Ah, exactement. Et maintenant, elle croit qu'il est entré dans son appartement d'une façon ou d'une autre, et ça lui fait peur. Mais le pire serait qu'elle s'imagine tout ça. Je vais te donner un numéro de téléphone. Il s'appelle Danny Zerbo, il est détective privé. Je suis sûr que ça ne m'a pas semblé énorme sur le moment. C'est pas grand-chose. Des coups de téléphone, des rencontres au hasard, des petits mots, ou bien des cartes. Je sais que ça peut vous sembler anodin tout ça, mais moi je trouve ça étrange. Oui. Il est évident qu'il paraît savoir des choses surprenantes sur votre vie, vos amis, votre travail. Oui, exactement. Il sait que je suis juge et il croit peut-être que je ne vais pas sanctionner ce comportement. Vous savez, le fait d'être juge ne va pas protéger votre fille contre ce cinglé, en particulier s'il fait une véritable obsession. Ça pourrait être même le contraire. Il pense que s'il a la fille, il pourra avoir la mère. Et la mère a mieux réussi dans ce métier qu'il ne peut l'espérer. Il faut savoir contrôler ce genre d'individu. Bess, il faut que je vous pose une question. Il faut me répondre la vérité. Est-ce que vous avez eu des rapports physiques avec ce type? Non. Il n'a pas essayé de vous embrasser? Absolument rien. Vous en êtes sûre? Oui, certaine. Je déteste quand il me touche. Comment ça, quand il te touche? Bien, je ne sais pas, il s'approche sournoisement et puis il met son bras sur mes épaules et autour de ma taille. Et un jour même, quand je travaillais, il est arrivé et il m'a soulevé dans ses bras et il m'a porté. Je ne supporte pas. C'est le début de l'escalade. Il a établi le contact physique. Ce type a franchi une barrière psychologique. Bon, très bien. Maintenant, je crois que ça suffit largement. Tu vas revenir à la maison, habiter avec moi. Un point, c'est tout. Non, non, ça voudrait dire qu'il contrôle ma vie. Je ne veux pas. Attendez une petite seconde. Pourquoi vous ne me laissez pas lui parler? Je peux peut-être le raisonner. Ou l'intimider. Je vais lui laisser le choix. Les possibilités d'action légale sont plutôt limitées. La bonne nouvelle, c'est que tôt ou tard, la majorité de ces types trouvent quelqu'un d'autre. Et puis ils disparaissent. Oui. Tôt ou tard, une autre fille sera sa victime. Je vous remercie, Monsieur Zerbo. Appelez-moi Zeb. Je ne me formalise jamais. Je vous tiens au courant. Merci. Je ne sais pas trop quoi penser de ce Monsieur Zerbo. Je n'arrive même pas à croire que j'ai pu avoir des relations professionnelles avec un personnage comme lui. Pourquoi tu dis ça? Moi, je l'ai trouvé sympa. Voilà peut-être d'où viennent tes problèmes. Merci. Bess, je suis désolée. Je voulais simplement te dire que parfois, tu accordais ta confiance trop facilement. Devoir choisir entre des dents blanches et une bouche bien protégée. Aquafresh Blancheur Multi-Action. Des dents plus blanches, tout en douceur, plus un soin complet pour l'ensemble de votre bouche. Pour une bouche bien protégée. Nouvelle Aquafresh Blancheur Multi-Action. Blancheur et protection, le tout en un. Aquafresh présente Max Active. Trois brosses à dents en une pour un brossage des dents optimal. Aquafresh Max Active, trois brosses à dents en une pour une protection complète de la bouche.
vous êtes déjà un vrai petit champion. Vous parcourez jusqu'à 100 mètres en moins de 5 minutes. Sur les mains, les genoux et dans d'autres positions. C'est pour ça que Pampers a créé les nouveaux langes Pampers Active Fit. Des côtés jusqu'à 3 fois plus extensibles pour s'adapter impeccablement au mouvement de bébé. Quand on voit le monde à travers les yeux d'un bébé, on voit comment le rendre meilleur. Nouveau Pampers Active Fit, le linge le plus extensible pour un maintien impeccable. Savez-vous qu'il est prouvé que l'on peut réduire les risques de mort subite du nourrisson en respectant quelques règles simples? Comme par exemple, évitez de fumer pendant votre grossesse ou en présence de votre enfant. Votre médecin vous remettra un dépliant reprenant les principaux conseils de prévention. Ensemble, réduire les risques de mort subite, c'est possible. Avec le soutien du ministère de la Communauté française. Le Télévis, c'est le moteur d'énergie de dizaines d'associations, clubs ou groupes d'amis qui se donnent sans compter pour réunir un maximum de forces et de moyens. Achetez dès maintenant le Big Télévis. Rejoignons-les et participons tous ensemble. Chez Merlin, la cuisine Landaus au prix effroyable de 89 000 francs électro compris. Un magnifique canapé en cuir avec ses deux fauteuils pour le prix imbattable de 58 900 francs. Chez Merlin, c'est mon portefeuille qui se sent bien. Excusez-moi, est-ce que cette place est libre? Coke Light, have a great break. Mission du capitaine, remplacer ancienne fusée par vaisseau spatial Hyperco! À l'attaque! Rien à signaler. Je peux pas faire plus vite, capitaine. Oh oh, on a pris du retard. Au secours! Oxygène! L'ancienne bouteille serait déjà vide depuis longtemps. Nouveau Dreft dégraisse encore mieux. C'est pourquoi le nouveau Dreft dure des années-lumière plus que l'ancien Dreft. Désolé, mon capitaine. Jeudi dernier, Anne est entrée en s'écriant « Oh, je ne les aime plus ». Calme-toi, lui ai-je dit. J'ai le cuir chevelu sec, ça m'ennuie, c'est plus possible. Il ne me manque plus que des pellicules. Je lui ai dit « Tu as besoin du shampoing Head & Shoulders apaisant pour cuir chevelu sec. Comparé aux soins et lotions ordinaires, il est spécialement conçu pour les cuirs chevelus secs. Et les pellicules. Deux semaines plus tard, elle me disait que tout était rentré dans l'ordre. Apaise votre cuir chevelu et aide à prévenir les pellicules. Head & Shoulders, apaisant pour cuir chevelu sec. Soyez fiers de vos cheveux. Quand vous avez un bouton de fièvre, ne vous cachez plus. Traitez-le avec Zovirax Labialis. Dès les premiers picotements, et même si le bouton est déjà là, Zovirax Labialis agit rapidement et entrave la multiplication du virus. The Virax Labialis vous rend le sourire. Non, je ne vous oublierai pas. Mais j'ai déjà un enquêteur qui travaille pour moi et qui s'occupe de mes dossiers exclusivement. Mais on ne sait jamais, je peux être débordé. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Je suis sur une affaire et c'est vous qui me créez des ennuis. Jolie botte. J'ai les mêmes, là-bas, à Nogales. Je peux vous donner le nom de la boutique, si ça vous intéresse. Je suis venu pour vous parler de Bess Knowlton. Alors, je vais vous dire quelque chose, en essayant d'être clair. Disparaissez de sa vie. Volatilisez-vous. Bess a parfaitement le droit de voir les gens qu'elle souhaite voir. Elle en a le droit. Alors, laissez-la tranquille. C'est sa mère qui a manigancé ça. C'est elle qui vous a engagé. Monsieur Zerbeau. C'est une dame qui me semble particulièrement perturbée et qui est bien seule. Elle ne vous a pas dit qu'elle s'est intéressée à moi bien avant que je tombe sur Bess, n'est-ce pas? Non. Vous voyez? Notre juge ne peut simplement pas supporter que je vois Bess et pas elle, c'est tout. C'est une réaction typique, vous connaissez les femmes. À votre place, avant de dire autre chose, je crois qu'il vaudrait peut-être mieux enquêter de ce côté avant de se retrouver dans une fâcheuse situation. Ça serait très ennuyeux, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me semblez particulièrement perturbé, Monsieur Primes.
Alors je vais vous le dire une seule fois. Et considérez-vous comme averti. Ce n'est pas ce que demande la mère, c'est plutôt ce que veut la fille. Bess, c'est une gentille fille. Trop gentille pour vous le dire en face. Elle vous trouve bizarre et inquiétant. Je ne peux pas croire ça. Bizarre, inquiétant et bien trop âgé pour elle. Jolie boucle d'oreille. Oui, vous désirez ? Bess. Bess ne travaille plus ici. Quoi, comment ça ? Elle est partie, elle avait ses raisons. C'est clair ? Excusez-moi, madame. Ah, Louis. Salut, Betty. J'ai réservé une heure, on est d'accord ? Oui, essaye de ne pas utiliser tout le flacon. Je vais me chercher un sandwich. Tu veux quelque chose ? Non, merci. Ah, salut. Louise, ferme la porte, je travaille. Donc, vous n'avez pas pu voir son visage? Non, mais je suis certaine que c'était lui. Il m'en faut plus que ça, je regrette. Vous êtes certaine que ce n'était pas ce Louis quelque chose? Puisque je vous dis que c'était bien Stephen Primes. Ce n'est pas le geste d'un homme qui connaît la loi, c'est plutôt un gamin qui fait ce genre de choses. Inspecteur Weldon, autant mettre les choses au point tout de suite. Ce n'était pas un geste, c'était une agression. Je vous rappelle que cet homme suit ma fille depuis des semaines. Et là, je n'ai manifestement pas une garantie de stabilité ou de maturité. Ne vous méprenez pas, nous allons enquêter, bien entendu. Autrement dit, il va s'en sortir sans histoire. Je voulais dire que nous ferons tout notre possible, mais on n'a rien de tangible pour l'arrêter. Excusez-moi. Bess, il faut prendre une décision tout de suite. Ou je m'installe chez toi, ou tu viens habiter chez moi. Collègue, Martha, il peut y avoir conflit d'intérêts. Je comprends que tu aies envie de te récuser, mais moi, tout ce que je cherche, c'est de gagner un peu de temps. Je sais, c'est une simple interdiction de proximité, mais si je suis la procédure habituelle, j'en aurai pour des jours. Avec ce fou furieux, chaque jour qui passe est très important. Bon, je ne pourrais pas vivre s'il arrivait quelque chose à Bess. Je t'ai préparé des papiers pour midi. Je te remercie infiniment pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Ivan Primes? C'est moi. Passez une bonne journée. Aucune loi et aucune personne ne pourront s'interposer comme ça entre nous. Tu m'appartiens totalement.
Et moi, je suis à toi. Tu ne peux être que ma déesse. Et moi, je ne peux être que ton Dieu. En ce qui concerne le mariage... Il n'aura pas lieu dans un établissement religieux. Il n'y aura pas de musique, ni le moindre symbole non plus. Aucun membre de la famille ne pourra s'y présenter. Ils ne seront plus là pour nous empêcher de vivre. N'essaie pas de te protéger une fois de plus de mon éternel amour. Si la police trouve qu'il n'est pas assez dérangé, qu'est-ce qu'il leur faut? Ce type est fou allié. Il a envoyé ce fax chez vous? Au beau milieu de la nuit. Je suis sûre qu'elle n'est même pas en sécurité chez moi. Vous devriez me laisser réunir quelques amis. On va aller lui parler. Ah non, là, il n'y en est pas question. Il n'est peut-être pas normal, mais il connaît très bien notre système juridique. Cela dit, je suis prête à me faire attaquer si ça pouvait le faire enfermer. On va y arriver. Il suffit de trouver le bon moyen. Voici la déposition à la police et le mandat du juge. Et la lettre de menace. Je vous demande de comparer l'écriture de cette lettre avec celle des autres. Ça ne vous donne pas froid dans le dos? Je comprends pourquoi vous avez peur. Il est irrationnel et obsédé. Je ne crois pas qu'il puisse être autorisé à continuer à enseigner dans ce campus, au milieu de femmes vulnérables. Je vous donne suffisamment de documentation ici pour pouvoir le renvoyer légalement. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple. En réalité, cet individu n'est pas employé à plein temps. Il ne fait que louer des classes à notre établissement. Et on vient de renouveler son contrat. Je pourrais en faire part au comité de direction pour qu'il le fasse annuler. Mais vous savez, Monsieur Prime, c'est... Oui, je sais, il vous attaquera. Je vais jeter un œil sur l'affaire. Je ne peux rien promettre, mais... Merci infiniment. 2 mois et 2 semaines. Je n'avais encore jamais tenu aussi longtemps depuis... Oh, je ne sais même plus quand. Mais c'est une très belle réussite, Madame Lewis. La Cour vous félicite. Et les autres termes de notre accord? Les stages de travail et les cours d'éducation parentale? Ben, j'ai travaillé dans un institut de beauté. Je suis capable d'être manucure maintenant. Je vais repasser plus tard pour vous montrer. Ce ne sera pas nécessaire. Parfait. Et pour le dernier point? Pas encore. Ah là, ça ne me suffit pas. Mais je ne vois pas comment vous voulez que je fasse tout en même temps, sans blague. Comment je peux trouver le temps, moi? Je veux que vous reveniez dans 2 semaines avec la preuve de votre inscription à ce cours. Vous entendez? 2 semaines. C'est clair? Très bien. Pour être dur. Madame Lewis, attention à ce que vous dites. Je suis désolée, madame. Je suis comme ça, je pars au quart de tour. C'est précisément pourquoi vous devez suivre ces cours. Bien, l'heure est passée. Je propose une suspension de 20 minutes. Levez-vous, la séance est suspendue. Monsieur Primes, je voudrais vous dire un mot. Je veux que vous compreniez que votre intimidation ne marchera pas. Vous ne vous approchez plus de ma fille, de ma maison et de mon tribunal. Est-ce que c'est clair? Mon intimidation? Cet État a des lois contre le harcèlement, monsieur. Je connais les lois de cet État aussi bien que vous, cher juge. Je connais les paramètres légaux de l'État. Il vaut mieux comprendre que si vous n'arrêtez pas cette espèce de terrorisme mental contre ma fille, je vais utiliser tous les moyens légaux. Alors ça, c'est génial. Vous, officier de justice, et votre parodie de justice, vous voulez qu'on parle du mandat que vous avez fait délivrer contre moi, signé par un de vos collègues? Vous pensez que j'allais pas vérifier? J'ai des métros d'avance sur vous. J'ai même des preuves écrites, des preuves tangibles. Vous allez être accusé de faute professionnelle, de conflit d'intérêts... Vous êtes fou, allié! Vous n'approchez plus ma fille, vous avez compris? Il faudrait que vous soyez rayé du barreau!
suis contente que tu aies accepté de revenir. J'ai le temps de me trouver un nouvel appartement, c'est tout. Je sais. Mais j'aime bien quand tu es là. Simplement qu'il faut que je remette un peu d'ordre dans ma vie. Oh, c'est incroyable qu'on ait oublié le parasol. On n'a pas arrêté d'en parler avant de partir. C'est pas grave, on pourra y retourner demain. Tiens, je vais ranger ça. D'accord. On continuera au supermarché. Pense à rapporter des fraises pour ce soir. D'accord. Merci. Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, un cambriolage, ils ont saccagé la maison. C'est incroyable. Dans ce quartier, en plus? C'est la maison du juge. Il y a vraiment des fous partout. Tu prendras les billets, Marie? D'accord, merci. Bess, fais tes valises vite fait. Tu pars par l'avion de 6 heures pour Denver. J'en ai pour 30 secondes. Paula, tu peux t'arranger pour déplacer mes audiences? Oui, bien sûr, je m'occupe de la situation. Merci. Mon frère Duncan a une grande ferme du côté de Denver. Je t'appellerai une fois là-bas. Entendu. Merci. Merci. Je t'en prie. Si vous trouvez la moindre preuve, ou même deux fois rien... Ne vous en faites pas, madame, on va passer la maison au peigne fin. Quand je pense que des femmes m'ont dit qu'elles ne se sentaient pas en sécurité dans leur maison... Aujourd'hui, je ne les comprends que trop bien. C'est misérable. Ils savaient quand on s'absentait. Ils nous observaient. On se rend compte de la tension dans laquelle on vit que le jour où elle disparaît. Oui. Il y a longtemps, je n'avais plus entendu Bess rire aussi gaiement. C'est formidable. Oui, c'est agréable de voir les enfants rejouer ensemble. C'est triste, en fait, que les cousins grandissent en étant tellement séparés. Duncan, c'est vraiment très gentil de la prendre chez toi. Tout le monde l'adore. Et je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes pour elle. Je te jure qu'elle va être comme une reine chez nous. Je voudrais qu'elle porte ton nom si ça ne t'ennuie pas. C'est par précaution. Elizabeth Emerson. Ça sonne joliment. Merci. K-N-O-W-L-T-O-N. Bess. L-T-O-N. Essayez aussi, Elizabeth. Elles viennent s'installer. Vous appelez les compagnies de téléphone, voyez ce qu'ils vous disent. Commencez par la région de Phoenix et aussi celle de Tucson. Quoi, je fais tout l'état? Faites-le très vite. Plus vite vous la trouverez et plus vite vous serez payé. Écoute, mon grand. C'est le troisième message que je laisse, alors tu vas me parler parce que je sais que tu sais où elle est et je veux cette information. Maintenant! Tu as 5 minutes où tu vas le regretter. Tu as intérêt à me répondre ou tu es mort. Mort! J'étais parti en week-end et voilà ce que j'ai trouvé en rentrant. 10 messages de ce cinglé, tous aussi débiles. Vous reconnaissez la voix? Bien sûr, je la reconnais. J'ai l'impression que ça empire. Il ne s'arrêtera plus avant d'avoir eu ce qu'il veut. Alors, vous ne pouvez pas l'arrêter?
Il menace bien quelqu'un en disant ça. Je ne sais pas si ses coups de téléphone à moi ou à Bess. Le mandat pourrait en effet s'appliquer, mais vous n'êtes pas concerné. Mettez son téléphone sur écoute. Non, ça c'est illégal. Je refuserais de le considérer si quelqu'un venait me le présenter à mon tribunal. On peut peut-être demander un mandat pour étudier ses notes de téléphone. On peut commencer à établir un dossier de cette façon. Ça peut être un bon début. Alors allez-y. Vous voulez garder ça? Oui, merci. Enchanté de vous connaître. Oui. Dommage que ce soit dans ces conditions. Elle tient le coup? Elle va bien. Je vais en effet voir avec ce demeuré. J'étais jaloux. Je sais, mais elle comprend. S'il vous plaît, dites-lui que je suis désolé. Je lui dirai. À plus tard. C'est ça. J'ai du mal à le croire. Ni le système juridique, ni un détective privé, ni la police ne sont capables de faire quoi que ce soit pour trouver un moyen efficace de protéger ma fille. Et ce type est là, dehors, tel un scorpion attendant l'occasion de frapper. Ayez un peu de patience. Et n'oubliez pas, c'est la seule chose que lui n'est pas. Courage, madame. Vous n'avez pas l'air de comprendre à qui vous avez affaire. Vous entendez ce que je dis? Vous entendez ce que je dis? Attention, je vais me fâcher. Je suis vraiment désolé, Monsieur Prime, mais ces dossiers ont été transférés, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Je comprends le règlement, mais il se trouve que cette jeune fille m'a demandé les notes du premier trimestre. Vous voulez bien m'excuser une seconde? Bien sûr. Allô, oui, j'écoute. Oui, il suffit d'envoyer un chèque de 25 dollars avec une enveloppe timbrée à votre adresse. Entendu. Oui, à bientôt. Alors, Monsieur Prime, vous voulez... Je crois que je l'ai. Il y a un E. Knowlton sur North Arroyo, à Denver. C'est un nouveau numéro. Deux, en fait. L'un doit être pour le fax. Vous avez une adresse? Très bien. Eh, pas si vite. C'est E. Point. Ça peut être Edward ou Ezekiel. Non. Ça, c'est un truc de fille. Ça rend même le nom plus mystérieux. Des tas de types aiment passer des coups de fil tordus. Tu trouveras un gros chèque dans ta boîte à lettres. Ouais. Allez les enfants, vous êtes prêts à gagner celui-là? Oui. Vous êtes prêts à obtenir ce que vous attendez de la vie? Oui. Alors il faut que vous fonciez. Vous êtes Elizabeth Knowlton? Oui, Liz. Je viens juste d'arriver. Bienvenue chez nous. Merci. Vous avez quelque chose d'intéressant pour moi? Oh, ça doit être que de la pub. Au revoir. Au revoir. Je sais où tu es, Steven. Les cours sont géniaux, maman. Oui, j'ai pris les cours d'éclairage et puis j'ai pris option photographie publicitaire. Oh, il y a même des cours de journalisme donnés par Pauline Adros. Tu la connais, c'est cette élève... Photographe, oui, je sais, je la connais. J'ai assisté à une de ses conférences il y a quelques années. Tu plaisantes? Ah tiens, je t'impressionne. Et le plus important, ma chérie, c'est que tout se présente plutôt bien pour toi. Oui, tout va très bien. Bon, il faut que je file, j'ai plein de cours aujourd'hui. Je t'aime, maman. Moi aussi, ma chérie, on se reparlera plus tard, au revoir. Bonjour. Je suis désolé. Alors, des nouvelles? Eh bien, il ne s'est pas manifesté. Il bouge pas. Il appelle plus les amis de Bess. Cela dit, il n'arrête pas d'écrire des lettres. Tant qu'il n'écrit pas à Bess. Rien de bizarre dans le coin? Non, rien du tout. Mais peut-être qu'il nous oublie, ce serait la meilleure nouvelle. Oui, bien sûr, mais ça m'étonnerait. Quelqu'un d'aussi obsédé n'abandonne pas aussi vite. Si c'est vous qui le dites... Tu as vraiment cru que je ne te retrouverais pas? Tu as vraiment cru que je te laisserais te sauver? Je vais venir te chercher, Elizabeth. Qui êtes-vous? Allô?
Je sais que c'est pas ta faute. Il faut que tu me téléphones. Tout de suite. Appelle-moi. Tout de suite. Ne fais pas comme si je n'existais pas. Il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas nous séparer. Je vais te rejoindre. Nous allons nous marier. Elle ne pourra rien faire contre nous. Vous avez fait forte impression sur ce type. Je ne connais pas de Steven à Phoenix. C'est ça qui est bizarre. Et je ne vois pas du tout qui ça peut être. Quelle tête il a et pourquoi il fait une fixation sur moi. Ni un nom, ni même une adresse. Ça va pas être facile de vous protéger contre un homme sans tête, sans nom et vivre ailleurs. J'ai fini par m'offrir cette maison. J'ai tout arrangé pour que je puisse faire du sport. Ma vie est géniale ici. Je ne laisserai pas me chasser de ma maison. Bien, alors, on va surveiller le secteur. Et vous nous alertez dès qu'il y a quelque chose de curieux. Homme, voiture, enfin, n'importe quoi. Demandez-moi. Et qui sait, on va peut-être avoir de la chance. Peut-être qu'il restera à Phoenix. Je sais pas, j'ai vu trop de films. S'ils veulent vous avoir, je trouve toujours un moyen. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas du tout qui ça peut être. En fait, il pourrait faire la queue avec moi au supermarché ou être assis près de moi au cinéma et je n'en saurais rien. Ouais, bien sûr. Vous avez raison. Superbe. Faites-moi un beau sourire. Voilà. C'est parfait. Ta-da, ta-da, ta-da. Non, filme pas ça. Ah. Eh mais qu'est-ce que vous faites? Reposez-moi. À l'appareil? Je crois que oui. J'ai fait de beaux projets, Elisabeth. De beaux projets. Alors j'espère que tu es prête. Prête pour le grand jour. Ça n'a pas dû vraiment te plaire, guignol. Qu'y a-t-il ? J'ai une mauvaise nouvelle. Je l'ai perdu. Il a disparu. Quand ? Ça s'est passé entre 9h hier soir et 8h ce matin. Sa voiture n'est plus là. Je n'arrive pas à le trouver. Il n'est pas à l'école et il n'est pas chez lui non plus. Attendez, réfléchissons. Donc, il n'est pas à l'école et il n'est pas chez lui. Peut-être qu'il est allé au Grand Canyon. Non, ça m'étonnerait. Il n'a pas pris l'avion. Sa voiture n'est pas à l'aéroport. Je l'ai fait vérifier par la sécurité. Et il n'y a pas de voiture de ce modèle. Ça devient inquiétant. Vous voulez que je file à Denver tout de suite? Attendons la fin de la journée pour voir s'il réapparaît. Sinon, oui, allez-y. Mais c'est pas vrai, comment deviner ce qu'un malade comme lui peut manigancer? Tu es pressé? Oui. J'ai un cours. En fait, c'est une conférence sur le journalisme. Ah oui? Avec la célèbre photographe? Reporter photographe, oh, c'est génial. Une femme reporter photo, c'est génial. Oui, je sais, c'est vraiment formidable. Attends, ta mère sera fière de toi. Allô? Martha, tu vas bien? Oui, elle est là, à côté de moi. La célèbre femme juge veut te parler. Allô?
Mais ça veut dire quoi, une mauvaise nouvelle? Oui, je vais me méfier. Maman, je ne vais pas le laisser gâcher ma vie ici aussi, rassure-toi. J'ai un nouveau nom, rappelle-toi. Et puis je vis dans un nouvel état. Oui. Maman, il ne me trouvera jamais, c'est promis. Bon, il faut que je file à l'école, je te rappelle ce soir. À bientôt. À bientôt. Quel est le problème? De forcer ma porte. Vous pouvez venir le plus vite possible, s'il vous plaît. Je vous en prie. 536 Arroyo Lane. Oui, Elizabeth Knowlton. Faites vite, je vous en prie. Je viens d'appeler la police et elle arrive tout de suite. Alors vous feriez mieux de vous en aller. Aucun risque maintenant que j'ai réussi à te retrouver. Ouvre cette porte, Bess. J'ai un fusil et je vais l'utiliser. Ce sont peut-être les sirènes qui lui ont fait peur. Et vous êtes sûr que c'est le même type que sur la cassette? Absolument. Il avait des yeux fous. C'est formidable. Oui, c'est génial. Vous ne l'avez jamais vu en dehors de ce soir et de l'enregistrement? Non, jamais. Vous connaissez la fille? Non, je n'ai jamais vu non plus. Il y a quelque chose sur la vitrine. Juste là. En arrière-plan, les lettres D-O-B-E. C'est un magasin d'appareils photo et il y a du matériel vidéo, évidemment. Voilà l'enveloppe. Le couple de l'année. Et elle a été postée à Phoenix, comme toutes les autres. Bien. Enfin, on sait au moins par où commencer. Et s'il revenait? Et s'il était là dehors, quelque part, à me guetter? Eric? Je suis là, madame. J'ai eu votre message sur le répondeur. Vous aviez l'air inquiet, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un coup de téléphone étrange d'un policier dans le Colorado. Et il m'a appris qu'il y avait une autre Elizabeth Knowlton qui vit dans la région de Denver. Et elle a reçu une cassette vidéo de Stephen Primes. Une autre Elizabeth Knowlton? Oui, et je leur ai dit de lui donner mon numéro de téléphone. Et elle a téléphoné? Un quart d'heure plus tard. C'est pas croyable. Alors, Prime sait depuis le début que Bess est à Denver. Ce qui est fou, c'est qu'il se trompe de femme. Maintenant, ça a dépassé le stade du harcèlement. D'après ce que m'a dit cette Elizabeth, le type s'est pointé chez elle hier soir et il a essayé de forcer sa porte. C'est pas vrai. Alors, il est à Denver. Elle m'a donné son numéro, madame. Au cas où, vous voudriez l'appeler. Madame Knowlton? Quelque chose ne va pas. Je croyais que c'était fini, je pensais qu'on l'avait semé. Aujourd'hui, il est près d'elle et moi, je suis tellement loin. Merci. Y a pas de quoi. Beth? Liz, je vous reconnais d'après la cassette vidéo. Non, non, il ne m'a pas suivi. Ah. C'est bizarre, hein? Oui. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Il n'est pas entré, j'espère? Non. Oh, mais il s'en est fallu très peu. Et il vous a vu? Je crois pas, non. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien. Et qu'est-ce que vous avez fait quand il a forcé votre porte? J'ai crié. Je peux dire que j'ai hurlé comme une folle. Alors, il n'a pas eu le temps de se rendre compte. Dites-moi, comment vous l'avez rencontré? Oh, tout d'abord, je crois qu'il faut mettre quelque chose au point. Ce type n'est pas un de mes ex-petits amis. Je n'ai jamais couché avec lui et je n'ai jamais flirté avec lui. Il a débarqué brusquement un jour et il ne m'a plus jamais lâché. Comme un véritable vampire. Oui. Il a eu mon numéro de téléphone. Alors j'en ai changé. J'ai un nouveau numéro. Je suis sur liste rouge. Mais il l'a trouvé. Et tous les jours, il m'envoie ça par la poste. Vous avez vu? Tenez, regardez. Ah oui, je reconnais cette écriture de dingue. Ça fait froid dans le dos, non?
C'est quoi ça? Le mariage d'Elizabeth Emerson Knowlton et de Stephen David Primes qui aura lieu le 17 août. C'est encore le 17. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette date? J'en sais rien. Le 17 mai, c'était notre première rencontre. Il faisait une fixation sur les anniversaires. Au bout de 2 semaines, c'était un anniversaire, 1 mois, un anniversaire. C'est complètement dingue. Je parie qu'il va venir frapper à votre porte le 17. Sauf s'il me trouve avant, évidemment. Je deviens folle. J'étais contre les armes, contre la violence. Aujourd'hui, je lui tirerai dessus avec plaisir. Je comprends pas ce qui m'arrive. À cause de lui, ma vie est devenue un enfer. Mais je comprends. C'est un malade, il adore ce petit jeu et il nous lâchera jamais. Si on veut retrouver une vie normale, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on le surprenne en train de faire un truc illégal, ou qu'on le fasse tomber dans une espèce de piège. Et moi, je serai là-bas. Oh non! Il faut le coincer. Et comme il n'a pas vu le visage de Lise, il croit que je suis Betty. C'est grotesque! Mais non, pas du tout. On va mettre quelques-unes de mes affaires dans le jardin, des trucs qu'il va reconnaître. Et je me montrerai un peu. Et après, quand il aura forcé la porte, eh bien, on pourra le coincer. Et comme ça, il sortira de notre vie pour toujours. Vous savez combien de temps il faudra à la police pour arriver? Qu'est-ce que vous comptez faire en attendant? Il faut avouer que je n'ai pas encore étudié tous les détails. Exactement. Bess, Stephen Prime s'est complètement cinglé. Et il le devient de plus en plus à chaque minute. Oui, en attendant, il est en train de me bousiller la vie. Il me hante, il me poursuit, j'en fais même des cauchemars. Bess, je sais que c'est pénible comme situation, mais ça n'est pas le moyen de résoudre ce problème. J'ai téléphoné à tante Patricia, je lui ai dit que tu allais aller habiter chez elle, dans le Minnesota. Oh non, ça non, je ne vais pas laisser ce taré me poursuivre d'un bout à l'autre de ce pays. Très bien, petit temps mort, s'il vous plaît. Vous avez une maison dans la forêt? Oui, elle est en pleine forêt. Oui, elle est isolée. Avec assez d'arbres pour cacher un policier. Bon, bien sûr, je parle de quelqu'un de plus petit que moi. Oui, bien entendu. Pourquoi les encouragez-vous? C'est stupide. Je sais qu'il y a un risque. Mais cette jeune fille n'a peut-être pas tort. Si on ne tente pas quelque chose, il va pourrir la vie de tout le monde. J'ai du mal à l'envisager. Je tiens à préciser une petite chose, ça ne me plaît pas du tout. Mais comme je vous ai donné mon accord, alors, allez-y, racontez-moi tout. Où pensez-vous placer le matériel de surveillance ? On peut déjà surveiller à partir de cette camionnette. Et on va faire tout ce que nous pourrons pour coopérer avec vous, Madame Knowlton, mais... c'est une opération un peu importante pour nous. Je m'en rends compte. Et je vous en remercie encore. Vous devez comprendre aussi qu'il faudra probablement qu'on reparte demain matin. Oui, je sais. Très bien. Je vais aller jeter un œil dans la grange. Ça vaut le coup, je vous assure. J'ai mis une clé dans une enveloppe et je vous ai écrit le numéro de code pour l'alarme. Vous voulez vraiment brancher le système d'alarme? C'est peut-être pas la peine, étant donné qu'on veut absolument qu'il rentre. On verrouille les portes et on lui laisse la possibilité d'entrer par une fenêtre. Vous voulez lui compliquer le travail à ce point-là? C'est vrai, pourquoi ne pas laisser les portes et les fenêtres grandes ouvertes, avec des miettes de pain par terre, pour lui montrer le chemin? Maman, la police est cachée tout près d'ici, juste dehors. Ce type a réussi à berner la loi une demi-douzaine de fois. Comment peux-tu croire que tu seras meilleur que lui? Mais j'en sais rien. Tu as dit qu'il fallait que j'apprenne à devenir adulte, que tu ne pouvais pas le faire pour moi. Et tu as raison, c'est vrai. Mais à chaque fois que j'essaye, tu opposes ton veto ou alors tu me mets dans un avion pour je ne sais où. Je ne veux plus te laisser tout décider pour moi. C'est terminé, maman. Sois prudente, Bess. Je ne voudrais pas avoir à dire, je te l'avais dit.
Ah, j'adore Fred Astaire. Comment est-ce qu'il fait le coup de la danse au plafond? Je sais pas. Quelle heure est-il? Oh, 1h10. 1h10? Est-ce qu'on éteint la lumière maintenant? Oui. Non. Non, c'est rien, c'est le voisin. Bon, j'ai un rendez-vous tôt demain matin. Vous tiendrez le coup? Oui. Bess, je n'ai pas voulu en parler devant votre mère parce qu'elle aurait été complètement affolée. Mais j'ai acheté ça à tout hasard. Il est chargé. D'accord. Je le cache là, sous le matelas. Oui. Je monte dans l'autre chambre, d'accord? Lise. Ça vous arrive de prier? Oui. Ça m'arrive. Je le ferai ce soir. Ai-je pu vous laisser me convaincre? Bess, c'est moi. Il est 7 heures du matin, le 18 août. Réveillez-vous. N'oubliez pas la porte derrière et aussi l'alarme. D'accord. Désolée de vous avoir créé tous ces problèmes. Oh, c'était pas mal du tout comme théorie. Je crois que tout le monde est soulagé que ça finisse comme ça. Au revoir, Liz. Merci encore de nous avoir aidés. Ça ne vous ennuie pas que Gerbeau remplisse la déposition? Je vais rester avec ma fille pour l'aider à ranger ses affaires. Non, pas de problème. Au revoir. Au revoir. T'es là. Bess et moi, on ne serait pas séparés. Steven. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Tout est de votre faute. Et personne n'est assez bien pour votre fille. Croyez-moi, Martha, je suis suffisamment bien. Cours, sauve-toi. La ferme. Oh, d'accord. On s'en va, Bess. On s'en va. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il a raison, maman. Je veux dire que si tu n'avais pas été là, on serait ensemble, tous les deux, depuis des mois. Cette fois, tu ne nous arrêteras pas. Alors, on y va. Quoi? Maintenant, c'est moi qui veux et vous, vous ne voulez plus? Vous n'êtes plus sûr? Oh, mais si. Alors, lâchez-la, qu'on puisse s'en aller. Bess, qu'est-ce que tu racontes? La ferme! Je vais chercher ma montre. Hé! Je vous ai dit que c'était un cadeau de mon père. J'en ai pour une seconde. D'accord? Oh.
ton idée de cadeau de mariage, peut-être. Jetez-moi ce couteau. On se dépêche. Tu ne me feras pas de mal. Tu m'aimes, on le sait tous les deux, Bess. On va partir ensemble. J'ai tout arrangé. Le mariage, la lune de miel. Donne-moi ce pistolet, Bess. Mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Je ne vous aime pas. Je vous déteste. Vous me rendez malade. Je ne laisserai pas gâcher ma vie. Vous n'avez plus aucun contrôle sur moi. C'est bien comme toutes les autres. Ça me semblait pas normal. Alors j'ai préféré revenir. Comme je disais, bizarre, inquiétant, et bien trop vieux pour elle. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous.